Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine. La France s'attaque ce soir à une citadelle imprenable. 17 ans que le 15 de France n'a pas battu les All Blacks ici en France. Alors est-ce l'année des Bleus? C'est en tout cas le début des tests de novembre. On va vous en parler bien évidemment dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Mais d'abord le sommaire. 17 ans que la France n'a pas battu la Nouvelle-Zélande à domicile, alors pourquoi c'était mieux avant? Parole d'ancien bleu. Il aurait dû être de cette tournée, Cyril Bail, le jeune pilier toulousain, se remet d'une grosse blessure avec quelques bleus à l'âme. Ils affrontent les Blacks ce soir, premier test, premier choc pour le 15 de France. Nous avons passé la semaine aux côtés des bleus. Come on! D'être connu, c'est pas important. Après, le plus important, c'est d'être performant, c'est tout. Oui, c'est les All Blacks, c'est un match de rugby. Hein, c'est un peu l'histoire de David contre Goliath, deux bleus complètement bleus qui vont aller défier la montagne noire. Quand on regarde leur match et les résultats qu'ils ont eus, forcément qu'il y a de l'appréhension de jouer contre la meilleure équipe du monde. Il y a toujours cette petite peur de prendre une volée. Mais après, je pense qu'il faut jouer notre carte à fond. On n'a pas de pression à avoir sur ce match. L'insouciance des minots face à la froideur des chiffres. Histoire de mesurer toute l'inexpérience de ce 15 de France, on va vous en donner un petit. La moyenne des sélections du groupe de Guy Noves, à peine 15 par joueur, quand le capitaine néo-zélandais en compte à lui seul 107. Je me demande quand ça va vraiment taper fort, quel repère commun on peut avoir. Et c'est en travaillant dur, comme on l'a fait la semaine dernière, qu'on peut se dire qu'on a quand même un gros bagage technique avec ces jeunes qui arrivent. Et c'est ce qui peut apporter cette vague un peu d'insouciance, ou prendre des initiatives et d'un coup avoir une étincelle qui peut nous remettre dans un match. Allez, un dernier chiffre histoire de rassurer tout le monde. Les All Blacks ne perdent jamais plus de 3 fois dans une année. Et en 2017, ils ont déjà leur quota de défaites. Il aurait sans doute pu être sur le terrain ce soir au poste de pilier gauche. Lui, c'est le Toulousain Cyril Bail, blessé au genou depuis plusieurs mois. Il fera son retour sans doute d'ici la fin du mois de décembre. Il a vécu un véritable enfer avec cette blessure, jusqu'à sombrer même dans la dépression. Vous allez voir, il en parle sans concession. Cyril Bail est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Cyril. Bonjour Hélène. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. D'abord, comment ça va? La reprise, c'est bien pour bientôt? Ouais, normalement, c'est tablé sur les prochaines semaines. Et le moral va bien, les entraînements se passent de mieux en mieux. Je peux faire de plus en plus de choses. Donc voilà, maintenant, très très impatient de reprendre avec l'équipe et de rejouer rugby. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments-là? Mentalement, tu as complètement lâché prise, hein, c'est ça? Parce que tu étais immobilisé, ouais, du coup, tu te sentais inutile. C'est surtout le quotidien qui change, de rester voilà, à rien faire, sachant que bon, moi j'aime faire du sport, travailler les copains. Et tu as l'impression d'avoir un peu une petite mort. Et c'est vrai que mentalement, c'est très dur parce que voilà, t'es tout seul. Et voilà, c'était une période durant les 2 premiers mois qui a été compliquée. J'ai réussi à voilà, relever la pente, j'ai vu tous les gens qui m'ont encadré, qui m'ont énormément aidé, et voilà, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Alors, tu as mis des mots aussi sur le mal dont tu souffrais, c'est ça? On t'a aidé à évacuer tout, ouais, ça? Ouais, j'avais, ben voilà, c'est surtout, moi je suis un garçon je garde tout pour moi, et c'est vrai que c'est pas très très bien de faire ça, parce que après tu te mets dans une spirale un peu négative, et voilà, quand je suis arrivé dans ce centre d'éducation, j'ai vu une psychologue qui m'a aidé mentalement, on a beaucoup échangé, et quand tu es dans cette spirale-là, c'est pas évident. Même moi maintenant, je me dis, bon, enfin, t'es pas mort, t'étais pas malade, enfin je veux dire, mais c'est vrai que quand t'es confronté à ça, même si tu te dis qu'il y a plus grave, c'est difficile à surmonter. Ouais. Mais bon, ça aide mentalement, c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens guéri justement et dans ta tête et dans ton corps? Mentalement, je relativise sur pas mal de choses aussi. Je me dis que maintenant, voilà, c'est un sport et ouais, il ne faut pas non plus se prendre trop la tête. Il faut bosser, c'est sûr. Mais par exemple, si tu n'es pas dans le groupe un match ou quoi, il ne faut pas se prendre la tête. Je relativise sur pas mal de choses. Parce que quand tu attends 9 mois sans jouer, finalement, tu te rends compte que quand tu n'es pas dans le groupe un ou deux week-ends,
t'es content de rejouer après le troisième week-end. Quoi. T'as eu le sentiment d'avoir fait le match de trop, en fait, parce que quand tu te pètes, t'es en pleine ascension. Ben, ouais, après, j'ai pas spécialement pensé à ça. Je sais que j'avais beaucoup joué. Je me sentais énormément fatigué déjà durant le tournoi. C'était quand même une saison assez impressionnante en termes de match. Moi, j'avais jamais connu ça, jouer autant de matchs. Mais c'était, voilà, si c'était à refaire, j'aurais fait pareil. L'équipe de France, tu l'as mis dans un coin de ta tête, c'est un de tes objectifs. Oui, bien sûr, ça reste, une fois qu'on y a goûté, c'est sûr qu'on veut y revenir. Après, je mesure aussi le boulot qu'il y a pour y revenir. Et c'est un bel objectif, donc je vais essayer de me donner les moyens, bosser comme un âne pour y revenir. Mais déjà, il faudra revenir en club et essayer de faire des bons matchs avant de penser à l'équipe de France. Mais bien sûr que ça reste dans un coin de la tête. Cyril, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018? Ben déjà de rejoindre rugby et non, de d'avoir plein de matchs et que d'essayer de revenir voilà, à mon meilleur niveau. Mais je sais que ça sera très difficile et voilà, de ne pas avoir trop d'appréhension sur mes premiers matchs, j'espère. Merci. Voilà pour cet entretien. Il a des fourmis dans les jambes, Cyril Baye. Forcément, on le comprend. Il lui tarde de reprendre le contact, notamment à l'entraînement. Vous voyez où je veux en venir. Et oui, il est l'heure de notre rubrique, le geste technique. Et attention, aujourd'hui, on va plaquer. Regardez. Bonjour, je m'appelle Jules. Je joue demi-mêlée à Montpellier. Et on va aller voir Kélian Galtier pour qu'il nous apprenne un peu la technique du plaquage, comment bien plaquer et faire reculer. Allez, on y va. Salut Kélian. Salut. Alors c'est quoi la bonne technique pour plaquer? Il faut bien savoir se positionner par rapport au centre de gravité de l'adversaire. Le principe du plaquage, c'est d'essayer de déséquilibrer l'adversaire pour le faire tomber. Donc ce qui est important, voilà, c'est vraiment avoir des bons appuis au sol, une bonne distance et une bonne hauteur pour pouvoir ensuite déséquilibrer l'adversaire. Ce qui est important aussi, c'est dans le dernier mètre, ce qui est le plus difficile, je trouve, c'est surprendre en fait. Tu vas être là, il faut que ta vitesse soit rapide, ta prise bonne, et venir vraiment finir en plaquant. Bien. Ouais. Ouais. Je pense que le micro a pas aimé. Ouais, c'est possible, ouais. Et pourquoi c'est souvent les troisièmes lignes qui vont souvent au charbon, plaquer, faire le mauvais job? C'est pas un mauvais job déjà. Pourquoi souvent nous? Parce qu'on a un petit peu un rôle, comme moi j'aime bien dire, de milieu défensif au football, où on va nous demander voilà, de venir plaquer, de faire reculer, d'avoir beaucoup d'action. Mais on se rend compte que tout le paquet d'avant et même les centres aujourd'hui plaquent beaucoup. Tu me mets pas une cathédrale. Moi j'en étais sûr que j'allais me faire mal. L'histoire, elle transpire dans les murs de cette cité de Carcassonne. L'histoire, c'est une notion importante, bien évidemment, aussi dans le rugby. L'histoire du rugby, eh bien, ce sont les anciens qui la véhiculent. Nous avons rencontré en cette semaine internationale les anciens bleus. Pourquoi c'était mieux avant et qu'est-ce qui a changé dans le rugby? Parole de bleu, c'est un reportage de Didier Laguerre. C'était en septembre dernier, à l'occasion de l'Open de golf Paparambord disputé dans l'Ariège. L'occasion pour nous d'évoquer avec quelques monstres sacrés l'équipe de France. Oula, c'est un débat, c'est un gros dossier, c'est un gros débat. Comment expliquer qu'elle ne pointe aujourd'hui qu'au 8e rang mondial? C'est question pour un champion. Gérald Martinez, demi de mêlée aux 7 sélections, regrette le temps où les joueurs d'horizons différents étaient fiers de représenter leur club. Un supplément d'âme qu'ils ne semblent plus posséder aujourd'hui. À l'époque, Béziers, Stadouzin, Agen, Perpignan, on ne jouait pas pareil. On avait cette envie d'imposer notre façon de jouer par région ou par groupe. Et ça, c'était bien. Maintenant, si on change les maillots d'une équipe et qu'on change le match, on a l'impression d'assister au même rugby. Le second de ligne, Jean-François Imbernon, est aujourd'hui dirigeant à l'USAP. Pour lui, tout est lié. Si le réservoir de l'équipe de France s'est affaibli, c'est aussi parce que le rugby n'est plus aussi attractif chez les jeunes. Pour moi, dans l'approche du rugby, à un gamin, je crois qu'il faut qu'on soit plus ludique.
jusqu'à un certain âge, qu'après il faut travailler, là, à un certain âge il faut faire travailler, ok. Mais je crois que si on n'est pas plus ludique, si on n'est pas plus attractif, on va avoir des soucis, quoi. Parce qu'après, toujours pareil, si tu réduis le nombre, tu as moins de choix, tu as moins de possibilités. Jean-Michel Aguirre a 20 ans lorsqu'il endosse pour la première fois le maillot de l'équipe de France. C'était en 71 face à l'Australie. Le Bagnéret sera international à 38 reprises, comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années. Nous on a été international à 20 berges. Je crois que c'est plus donné trop aux joueurs actuels, d'autant que ces gars de 20 ans ne jouent même pas dans les clubs, c'est ça quoi. Je pense pour moi que c'est un phénomène d'organisation du rugby professionnel et la place donnée plus à des joueurs étrangers qu'à la formation et qu'à des joueurs français. Expliquer les carences de l'équipe de France, c'est oser les comparaisons. Pourquoi les Français n'arrivent plus à rivaliser avec les All Blacks? C'est le sujet de dissertation que nous avons proposé à deux joueurs au profil diamétralement opposé, le feu follet Serge Marsolan et le pilier puncher Gérard Chollet. Et puis les All Blacks, tu parles des All Blacks, ils ont la culture 15e rugby et c'est terminé. À 4 ou 5 ans, ils ont déjà leur tenue, ils jouent déjà au rugby, il n'y a que ça qui compte. Nous, on a tout l'espoir en France. Ils font pratiquement pas de foot de main. Ils vont te prendre des ballons là, ou dans n'importe quel sens d'une main. Nous, on est maladroits. On est maladroits dans le rugby français. Regardez le nombre de fautes plus que les ils sont super. Après des ans néfastes, jalonnés d'exploits retentissants, le rugby tricolore n'est toujours pas redescendu de son nuage. Comme si le French flair était soudain devenu incompatible avec les exigences du rugby moderne. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Merci de votre fidélité. Bon France All Black ce soir. Il est temps de vous laisser avec les insolites du net. Je vous dis à samedi prochain, à samedi.